La marque, ce n'est pas une visite, c'est la suite de la visite du Premier ministre. C'est-à-dire il est venu annoncer et remettre symboliquement l'aide humanitaire à nos compatriotes qui sont ici dans le camp de Bouchaga. Il a laissé les consignes dans le palais. Maintenant, après son départ, commencer à distribuer l'aide. Donc comme vous le remarquez, nous sommes à, voilà pourquoi les hautes autorités et du pays et de la province ont préféré que nous soyons nous sur terrain. C'est pour ça que vous nous voyez depuis midi d'ailleurs. Demain on sera ici toute la journée pour essayer d'assurer la distribution et de veiller à ce que cela arrive bien aux bénéficiaires. On a 221 000 ménages dans le Nord. Bon, le gouvernement, évidemment, il faut commencer quelque part. Le Premier ministre en passant, vous savez, il a fait Calais, puis il est venu ici. On a préféré commencer ici pour que dans les jours à venir, pas très longtemps, hein, d'ici peut-être un petit temps, on viendra maintenant pour essayer de faire tous les autres camps. Il est impossible de faire tous les camps en un jour ou en deux jours. Donc, c'est-à-dire qu'on commence par Bouchaga et puis après, on va continuer pour tout le reste. Mais personne ne sera laissé de côté. Et je le redis aussi, personne ne sera oublié. Vous savez, ça ne nous fait pas plaisir de venir ici bien manger, tout ça aux gens. Notre combat est le combat qui est celui du chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, et que nos combats est d'entrer bientôt. C'est rentrer chez eux. On puisse terminer la guerre, qu'ils puissent rentrer chez eux et essayer d'évacuer leurs occupations sur place. Donc c'est ça l'objectif. Nous n'allons pas nous contenter à distribuer des choses comme ça. Nous le faisons la mort dans l'arbre. Mais nous sommes obligés de le faire en attendant qu'ils rentrent chez eux. Et le combat, le gouvernement est celui-là.